Tu aurais fait quoi? Tu aurais chanté pour demain? J'aurais pu participer. Non mais il a oublié pour demain? Il a oublié ou pas? Dis la vérité. Comme d'habitude. Il a oublié. Tu as raison, tu te rends compte à la fin du repas qu'elle fait 87 ans. Mais les années qu'elle partage, je l'ai fait les mêmes. Oui, c'est vrai. Parce que dans 3 semaines, c'est à ton tour. Ce que j'estime, c'est que quand je la regarde, elle est toujours comme bien proportionnée, bien belle. Alors tout va bien. Alors, après ce qu'il vient de te dire, c'est, tu peux pas lui en vouloir de pas t'avoir dit bon anniversaire. C'est bon ? Merveilleux. Tu vas te faire engueuler par mamie, mange pas la bouche pleine. Parle pas la bouche pleine plutôt. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? C'est ma poire. Tu récupères le biscuit du restaurant ? Au revoir. Petite mise à jour en termes d'offres possibles sur... Une framboise ? Oui ? Je peux avoir votre doigt s'il vous plaît ? Merci monsieur Soju. Bon app. Ouais, va chercher, voilà. Allez, on est bien à l'aéroport, valise enregistrée. Pour une fois, nous ne sommes pas du tout en retard, on est même en avance. Par contre, maintenant Jimmy, comment vous dire ? On disait dans la voiture avec Seth, c'est le genre de personne qui partait en vacances à tout moment. C'est fort possible qu'il se pointe pas. Voilà, là l'enregistrement il se ferme dans 20 minutes pour enregistrer les valises, ils sont toujours pas là. Et il y a une queue de, franchement sans faire le Marseillais, bien de 150 personnes devant. Donc ils vont devoir passer, expliquer qu'ils sont en retard et voilà, parce que ça enregistre pour tous les vols de la compagnie, c'est 150 personnes. Donc du coup voilà, je déteste être à leur place parce que je sais qu'ils doivent avoir le stress de devoir cavaler les valises, la petite et tout. Voilà, c'est l'histoire de leur vie. C'est parfois l'histoire de la nôtre aussi, mais pas aujourd'hui. C'est ça, pour l'instant où je vous parle, l'embarquement il est quasiment terminé. Et on croise les doigts de ça, qu'il n'y ait personne, au moins ils sont tous les deux ensemble là. Je vous explique, mais ce soir, vu qu'on avait fait une réservation, on mange dans un buffet. Je vous montre le buffet. J'ai vraiment jamais vu ça de ma vie. Voilà la taille. Là, ne serait-ce que ça, c'est juste les fruits. Petit culinaire. Voilà. Là, vous avez la viande. Bon, ça y est, on s'est. Bien installé, on a mangé et là on est rentré, on s'est douché. On n'a même pas eu le temps de se doucher quand on est arrivé à l'hôtel parce que c'était tard. Et ici il y a une heure ou peut-être même deux de plus que la France. Voilà, donc du coup là maintenant Lohan au lit, on va se boire un coup tranquille entre adultes et puis sur la terrasse, hein, regardez, ce calme. Et ensuite dodo et voilà, franchement j'ai trop demain. Ça a l'air vraiment d'être un complexe où autant les enfants que les adultes peuvent kiffer. Vraiment tout bien demain de jour, mais ça a l'air vraiment incroyable. En position. Encore, souris, fais le beau sourire. 1, 2, 3. Doucement, doucement. Allez, vas-y, descends. Allez. Voilà, ce que j'appelle le paradis des enfants.